On voudrait surtout remercier l'auteur de la pièce qui est présent avec nous ce soir, Cyril Bocara. On t'invite à venir sur scène. Petit débat, on va poser quelques questions et si vous, vous avez des questions à poser à l'auteur de la pièce, c'est l'occasion. Donc on va peut-être s'asseoir. Ouais, carrément. Tant qu'à faire. Vous restez là, vous ne bougez pas. Vous êtes toujours là, rappelez-vous. Mais oh merde, quoi. Tout le monde peut me grande organisation. Mais merci encore pour nous avoir permis de jouer la pièce hier soir et ce soir. Nous, on a une première question qui va sembler évidente pour tout le monde et qui sera sûrement bateau. Est-ce que la pièce est féministe ? Je pense un petit peu, oui. Enfin, pour moi, c'est pas un gros mot de dire féministe. Parfois, ça peut l'être aujourd'hui. Mais pour moi, elle est au-delà de ça, en fait. Elle parle juste de tous les rapports de domination et d'inégalité en essayant de les réunir, en essayant de les penser ensemble. Parce que souvent, on va dire d'abord le combat des femmes ou d'abord le combat des gays. On va moins penser au combat des pauvres ou d'autres catégories de la population, ou même les problèmes racistes. L'idée, c'était un peu de penser un peu les formes de domination ensemble. C'est pas clair, hein, vous le dites. Ça va avec la fin, c'est bien. On avait une question aussi à propos de finalement l'écriture de la pièce, ce choix de la rime, qui n'est pas forcément évident dans une pièce contemporaine. Vous justifiez comment ? L'idée, c'est... en fait, c'est de se dire que souvent en politique ou dans la vie, on est très divisé. Là, on voit dans cette salle, on est divisé en 3 plus 1 et 4. Je suis un mal, mais bon. Et c'est vrai que pour moi, la rime et le jeu sur les mots et tout ce qui est de l'ordre un peu de cette poésie-là, en fait, je trouve que ça relie aussi ces hommes et ces femmes politiques. Et je me dis que peut-être si les politiques étaient un peu plus artistes et un peu plus dans les mots et un peu plus dans le plaisir de la chanson et des rimes, peut-être qu'ils arriveraient à se parler d'une façon plus légère et plus souple que dans ces scissions et ces cassures qui sont juste en fait parfois un peu des fictions. Voilà pour moi, c'est ça le sens politique de la rime. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce sujet-là ? C'était pas... Vas-y, on voit rien du tout, donc parlez si vous voulez. Des questions ? Allez-y, prenez, c'est votre moment. Bon, je vais enchaîner sinon. On se posait également des questions surtout de structure par rapport au passage de monologue confession, disons. Ça s'articule particulièrement bien dans la pièce. Est-ce que l'idée est venue directement ? Est-ce que ça s'est imposé au fil de l'écriture ? En fait, d'où vient cette idée-là de casser un peu le rythme ? Mais oui, en fait, moi je travaille beaucoup avec des acteurs pour. Au début, tu écris quelque chose et puis c'est pas forcément travailler avec les acteurs pour après, c'est vraiment une écriture vivante, donc on voit si elle marche ou pas. Et du coup, c'est venu plus tard, les solos, et c'est venu dans la volonté de se dire que ces gens qui étaient un peu parfois des pantins dans un système un peu ultra médiatisé, ultra théâtralisé, qui est cette assemblée, c'est quand même des gros pantins,
Mais derrière, ils ont autre chose, en fait, peut-être possible, qui laisse peu transparaître. Moi, je trouve ça dommage, d'ailleurs. J'aimerais bien que François Hollande ou d'autres hommes politiques viennent nous faire un moment de solo, où ils nous disent tout ce qu'ils nous ont... tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, en fait, qu'ils aient un langage sincère sur eux-mêmes, je pense que ça ferait énormément de bien. Ils disent qu'ils ne peuvent pas vraiment changer le pays, peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'ils pourraient juste changer leur façon d'être eux-mêmes, déjà, et être plus sincères vis-à-vis d'eux-mêmes, et parler avec cette voix où ils se dévoilent davantage, où ils se mettent à nu davantage. Je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de gens, sans que, finalement, ils aient besoin de changer tant de choses que ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vas-y. Oui. La lumière, on peut pas la bouger. Oui, vas-y. En fait, je voulais juste poser une question sur... en fait, qu'est-ce qu'on a pensé de cette mise en scène? Parce que je suppose que vous avez fait des choix très différents, enfin pas forcément tout le temps, mais... Ouais, et juste avant que tu répondes, on voulait juste spécifier en fait que nous, ça a été un choix pour avoir des acteurs en plus. En fait, à la base, il y a moins d'acteurs. En fait, à la base, Madame Simone est super mal, et à la fin, elle enlève son masque et c'est elle qui parle. On en a fait un duo qui s'est réuni à la fin, mais en fait, à la base, c'est Madame Simone qui gère tout depuis le début. Et Simon aussi. Et Simon également, peut-être. Alors ça, c'est écrit Simon, Madame Simone, mais j'imagine qu'en fait, trois personnes étant une, Simon était aussi une espèce d'autre personnalité de Madame Simone qui faisait le show, qui était politique et qui finalement, au dernier moment, est super mal. Donc en fait, elle est tout. Elle a plusieurs personnalités. Nous, on en a fait plusieurs personnages pour que ce soit plus équilibré pour le travail. Du coup, si tu peux répondre par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir la voir en entier parce qu'on avait juste travaillé des morceaux. On avait travaillé des morceaux avec un musicien, par exemple, guitariste qui improvisait et du coup qui construisait une sorte de mélodie à la guitare en même temps que les acteurs jouaient. Et ça faisait quelque chose d'encore plus chanté tout le long, en fait. Donc ça crée encore quelque chose de plus musical. Mais par rapport à ce que j'ai vu ce soir, non, je trouve que c'est y a plein de choses qui sont quand même super super bien, quoi. Quand on dit des choses bien, souvent c'est pas très assez simple, mais au niveau de, je trouve, de l'énergie que vous avez, du fait qu'on sent que chacun a des points de vue différents et qu'en même temps il essaye un peu d'écouter les autres, mais en même temps, il essaie de s'imposer, ça raconte quelque chose qui me semble intéressant pour la politique. Après, la pièce est délicate à monter parce qu'à certains endroits, il y a plein de jeux un peu de scène qui sont un peu compliqués, qui demandent parfois de travailler encore plus pour pouvoir faire comprendre certains... Il y a des moments là, je me suis dit, tiens, on n'est pas sûr d'avoir complètement compris ce passage d'une chose à une autre, parce que voilà, ça demande peut-être plus de lumière ou de moyens techniques un petit peu, notamment quand les terroristes prennent le pouvoir dans la salle, où on avait fait tout un travail sur le noir, la lumière, pour faire peur un peu aux gens et travailler sur cette peur. Voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être travaillées, mais ce qui était important, c'est que c'était déjà très, très humain, je trouve, ce soir. Enfin, on sentait la sensibilité, je crois. Enfin, moi, je l'ai senti, mais ça, c'est bien. Je ne sais pas si vous l'avez senti aussi. C'est la première fois que tu vois ta pièce représentée? Celle-là, oui. Nous, on n'avait monté qu'une demi-heure, mais en entier, oui. Oui, c'est la première fois. J'ai une question. Pour le rôle du spectateur, comment il t'est venu, en fait? Comment t'as eu envie de faire monter un spectateur sur scène pour jouer ce peuple-là, en fait, qui monte et qui s'est plus... t'es perdu, en fait. Ouais, non, mais c'est bien résumé. En même temps, il n'est pas complètement perdu parce qu'il dit il faut qu'on prenne plus de temps, quoi, on ne va pas décider tout de suite. Enfin, laissez-nous le temps d'être... En fait, il dit laissez-nous le temps d'être perdu, quoi, de ne pas savoir. Ouais. Mais au départ, j'avais fait une fin plus sombre où finalement, il disait que... Il disait, ok, vous avez voté pour les sauver, bah nous on va les égouiller parce qu'on respecte pas votre vote, puisque vous ne respectez pas notre vote. Mais après je me suis dit que c'était un peu facile. Et du coup, j'ai transformé, je trouve que c'est très important que... Parce que tout le long on dit aux gens, en fait, allez-y, participez, allez-y. Mais en fait, ils parlent un langage avec des vers. Et
et on peut pas vraiment beaucoup participer, quoi. On nous dit qu'on peut participer, mais depuis le début, le public, il peut pas vraiment, bon, il crie, il hurle, il fait de la participation un peu grégaire, un peu sauvage, un peu, voilà. Mais c'est pas une participation réelle. Et donc, à un moment, ça me semblait très important qu'on pose cette question. Est-ce que c'est possible, là, tout de suite, une participation réelle? Est-ce que ça peut vraiment changer des choses? Et ce que ça change, c'est que tout d'un coup, ça ralentit tout et ça freine. Et peut-être, ça, je sais pas, ça pose peut-être une question, je sais pas. Oui, du coup, moi je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui t'avait donné envie d'écrire la pièce, enfin quelque chose en particulier, parce que faut savoir qu'il l'a écrite il y a 2 ans, et je trouve que maintenant il a encore plus d'actualité avec les événements qui sont passés il y a pas longtemps. Du coup, je voulais savoir s'il y a, enfin, il y a 2 ans ou un peu avant, il y avait quelque chose en particulier, ou si ça faisait longtemps que tu voulais écrire un truc comme ça. On avait écrit un premier texte qui s'appelait Tant de femmes, qui parlait d'un mouvement qui s'appelait le MLFM, le mouvement de libération des forces du mal, et qui était un mouvement voilà, résistant, qui essayait de remonter dans l'histoire pour sauver les mâles, en montrant qu'il y avait des époques où ils avaient pu dominer l'humanité, et que ça pouvait peut-être revenir. Et du coup, il y avait une première pièce à la base de ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette pièce, c'est, au-delà du travail sur le langage, c'est que moi, personnellement, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'inégalités dans notre pays, au sens où on se sent, en fait, il y a beaucoup de gens qu'on se sent un peu, enfin, ça dépend des gens, mais on se sent un peu soit mis à l'écart, soit dans le travail parce qu'on n'arrive pas à trouver un travail, soit parce qu'on n'arrive même pas à faire des études parfois, soit parce que dans notre travail, on nous met un peu. Voilà, on a un chef, ça se passe mal, moi je trouve qu'on sent encore énormément d'inégalités dans la vie, et je pense que c'est pas forcément normal, je pense que c'est quelque chose qui peut se modifier, je sais pas, il y a 200 ans, on était obligé de choisir, il y a 200 ans en fait, on ne pouvait pas choisir son époux, on ne pouvait pas choisir sa femme, je pense que peut-être que dans 100 ans, on pourra vraiment choisir notre travail, par exemple, peut-être que des choses qui pourront vraiment évoluer, voilà. C'est pour cet espoir-là que j'ai fait cette pièce, même si dans le présent c'est peut-être un peu compliqué. D'autres questions? On voit pas si les mains se lèvent, donc dites oui. Ah oui. En fait, moi j'aurais juste une question. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter ton parcours et tout ça? Juste. Biographie. Ouais, mais je ne connaissais pas du tout et ça m'intrigue. Quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de voyages au Mexique. Ça m'a donné un rapport au théâtre très différent. Ça explique pourquoi c'est participatif, notamment. Parce que dans certains pays comme ça, le théâtre, c'est un moment de rituel de toute la communauté qui va, par exemple, faire une danse de la pluie ensemble. Et avec un shabbat qui va organiser ça, qui va être un peu l'artiste professionnel. Mais sinon, c'est très participatif, beaucoup plus participatif qu'ici. Et ça, par exemple, ça m'a donné envie de me dire, tiens, est-ce que le théâtre, ça pourrait être beaucoup plus... Alors là, c'est un tout petit participatif. Moi, dans ma vie, on essaie de faire des choses encore beaucoup plus participatives que ça. Mais est-ce qu'à un moment, le théâtre, c'est un vrai rituel de tout le monde, de toute la communauté, comme une fête, en fait, dans laquelle tout le monde doit participer? Ou est-ce que c'est juste des spécialistes qui viennent proposer quelque chose? Et voilà, bon, il y a eu ce voyage-là. Après, bon, j'ai fait une prépa en théâtre, j'ai fait Normal Sup à Paris... Normalien pendant 4 ans. L'élite. Voilà. Mais ça apprend aussi, on en parlait d'ailleurs à midi, ça apprend aussi quelques. Moi, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Ça, j'ai découvert dans les classes prépa et puis à Normal Sup que cette élite dont on fait partie aussi d'une certaine façon. On travaille assez peu sur en fait on nous fait très peu expérimenter, travailler sur nos émotions pendant toutes nos années de formation. Je trouve ça fou par exemple. Moi ça m'a beaucoup manqué mon rapport au corps et mon rapport à mes émotions quand j'étais en prépa et dans ma vie. Et je trouve ça assez grave parce qu'après on se demande pourquoi les gens parfois ont des vies où ils sont trop pris par le travail, ils se sentent pas très bien, alors on sait qu'en France il y a beaucoup de dépression ou de choses comme ça, où on se demande pourquoi les politiques, par exemple, disent jamais la vérité, mais parce que aussi,
ces élites qu'on a formées, elles ne travaillent pas à être sincères avec leurs émotions et proches de leurs émotions. Et donc, du coup, moi, ça m'a... c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, en fait, pour répondre à la question. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de faire du théâtre, de travailler sur des choses pour redécouvrir, découvrir ce que je ressentais aussi, pas seulement ce que je pensais, et découvrir ce que je pensais ressentais personnellement. Pas raconter ce que d'autres pensaient, ou, puisque c'est souvent ça qu'on nous apprend, mais on nous apprend peu à penser vraiment personnellement, c'est dur, mais je trouve que c'est important en fait. Et moi, c'est le théâtre qui m'a un peu apporté ça, à pouvoir essayer de ressentir et de penser vraiment ouais, de façon libre, personnelle. Rejoignez le BDA théâtre. Mais après, voilà, d'autres, c'est d'autres chemins, hein, c'est pas pour faire. Il y a plein de chemins qui sont différents pour y arriver, mais je trouve que cette façon de travailler, parfois trop intellectuelle, qui nous déconnecte de nos corps, elle est vraiment, enfin, je pense qu'on pourrait être plus fin dans notre société, dans notre civilisation qui se croit un peu fine. Je pense qu'on pourrait, il y a des choses qu'on pourrait faire évoluer. Bon, après, voilà, j'ai fait la MENSA, l'École nationale de théâtre, en tant que comédien, pendant 3 ans. Et depuis, j'ai ma compagnie de théâtre. Je suis metteur en scène, auteur, chanteur. Là, vous avez vu, je fais une chanson. Et voilà, on fait des paris de l'intelligence collective, par exemple. C'est des assemblées théâtrales où on se réunit avec des spectateurs. Alors ça, c'est ultra participatif. On se met 50 spectateurs, acteurs réunis, et on discute d'une question ensemble. Et on approfondit cette question avec des situations, des débats, du jeu. En fait, on utilise le théâtre pour nous apprendre à faire une petite démocratie de 50 personnes. Et puis on a fait ça à la Grande Mosquée de Lyon, on a fait ça au Forum Réfugié de Bon, en prison, dans plein d'endroits pour apprendre à réfléchir collectivement et à aussi sentir s'émouvoir collectivement. S'il n'y a personne. Alors. Tout à l'heure, tu disais que le niveau un peu participatif, ça fonctionne un peu par rapport à l'arrondissement et le fait qu'il y avait moins à dire. Et paradoxalement, tu dis que ben, ça fait plaisir de s'intégrer dans le second du marché et au final c'est un peu ça se rapproche du théâtre de rue et ça me paraît être en lien, enfin le théâtre participatif et logique et c'est aussi sortir du théâtre, sortir de la salle noire et de la scène sur laquelle vous êtes tout à fait là. Et enfin, j'ai eu du mal avec l'idée que d'un côté tu tends vers le participatif et de l'autre quand tu es montré comme un ralentissement et effectivement. Mais pour moi c'est bien ralentissement. C'est bien de pas ça. Enfin non. Après ça dépend peut-être des gens, on pense pas peut-être pareil, franchement. Mais moi j'ai l'impression que c'est vachement bien de ralentir en fait. Enfin je trouve que la principale façon de résister à notre époque, c'est de ralentir beaucoup de choses. Enfin, faut pas résister à notre époque forcément en soi, mais je veux dire pour équilibrer un peu l'époque qui parfois va trop vite. C'est intéressant, je trouve, de pouvoir se poser des questions. C'est un peu... Pour moi, il y a vraiment un rapport au temps qui est très très important dans notre société. J'ai l'impression... Enfin, moi, j'ai senti, par exemple, en ralentissant ma vie, que tout d'un coup, j'ai pu devenir plus proche de moi et plus heureux, en fait. Tout simplement plus heureux. Parce que j'étais moins dans... il faut que je sois productif, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai un doctorat, et puis après, il faut que je sois prof à l'université. Et maintenant, j'ai décidé de ralentir. Et en fait, peut-être que je suis moins dans une machine de la société, mais moi, je me sens vraiment mieux, en fait. Donc, ce ralentissement... Après, t'as raison quand tu dis qu'il faut sortir du théâtre, et ça, on essaie de le faire. Le théâtre, c'est des bons endroits parce que les gens peuvent s'y rassembler, mais il ne faut pas non plus être pris au piège de ça, parce que le théâtre, c'est quelque chose qui peut naître partout. En fait, pour moi, le théâtre, c'est un rassemblement de personnes qui vont échanger sur une question. Donc en fait, ça a lieu partout, dans les entreprises, dans les mosquées, partout. Je sais pas si. Ouais. Du coup, j'ai juste pour micro, s'il n'y a pas de questions. Pour te remercier encore une fois d'avoir été là, d'avoir fait cette pièce. Et on n'est pas les seuls à le penser. Déjà hier, il y a eu des retours. Et vraiment, il y a eu toujours, je te l'ai déjà dit, cette idée que ta pièce est très intelligente, qu'elle est incroyablement construite, on le pense tous. Et je voulais juste vous dire que cette pièce, tout est inscrit dedans. C'est-à-dire que tout est créé pour vous faire entrer dans un monde. C'est pas nous qui avons imaginé de faire des tracts. On a créé l'image, etc. Donc, tout est écrit,
tout est pensé. Il y a un vrai calcul pour les votes. Il y a un texte qui est fait si la loi est acceptée, si la loi est refusée. Enfin, c'est vraiment très intelligent. Et on l'a tous pensé, donc je voulais le dire pour finir cette petite discussion. Parce que c'est à la fois drôle, mais en même temps, il y a... Merci à tous.